Ces derniers jours, l'affaire autour de la disparition de Maddy McCann, survenue en mai 2007 au Portugal, a connu un bouleversement sans précédent. Une jeune femme d'une vingtaine d'années affirme sur la toile être la fille de Kate et Jerry McCann, Madeleine. Sur les réseaux sociaux, Julia Wendell, également connue sous le nom de Julia Faustina, partage régulièrement les preuves qui, selon elle, corroborent ses déclarations. Et ces fameuses preuves irréfutables à ses yeux sont les suivantes. Julia Wendell affirme avoir, tout comme Madeleine McCann, des taches de rousseur, mais aussi une tache dans l'œil droit. Une dernière caractéristique physique véritablement troublante puisque sur les photographies de la jeune Anglaise, on peut facilement apercevoir ce détail distinctif. Pourtant, un détail ne tient pas la route aux yeux de beaucoup, son âge. Maddy McCann aurait aujourd'hui 19 ans et Julia en a 21. Une différence d'âge que la principale intéressée a déjà évoquée. En effet, face caméra sur son compte Instagram, cette dernière a fait savoir que ses parents auraient pu avoir menti sur son âge depuis de nombreuses années. Une théorie plausible en somme. Julia est-elle vraiment Maddy McCann? Un célèbre enquêteur répond. Lors d'un récent entretien accordé au quotidien El Independiente mardi 21 février, Francisco Marco a partagé son avis sur l'hypothèse que Julia Wendell soit Madeleine McCann. À nos confrères espagnols, le détective privé engagé par les parents de Maddy McCann a estimé que cette hypothèse ne peut pas être avérée. Sans connaître les détails en profondeur, cela ne me convient pas. Je ne pense pas que ce soit elle, a-t-il notamment fait savoir, catégorique. Si l'homme a rapidement estimé que Julia et Maddy n'étaient pas la même personne, les parents de la disparue, Kate et Jerry McCann, restent, quant à eux, très intéressés par cette piste. Afin d'en avoir le cœur net, ces derniers ont récemment accepté de faire une analyse ADN. Crédit photo, JLPPA.